Ce mercredi 20 septembre 2017 à 11h, les syndicats, les médecins, les infirmiers, les dirigeants, les personnels, les services, les élus en lien avec le centre hospitalier intercommunal Melun-les-Mureaux se sont mobilisés sur le site de Melun pour dire non au départ du service de réanimation voulu par l'agence régionale de santé. Cécile Zamit Popescu, membre du conseil de surveillance du CHIM qu'elle préside, également conseillère départementale des Yvelines et maire de Melun, a présenté les différentes actions qu'ils vont mener pour empêcher le départ de ce service. La première, c'est une demande de rendez-vous en urgence auprès du directeur de l'ARS. La deuxième, c'est un recours gracieux auprès de la ministre qui a été remis à son chef de cabinet en main propre dès le lendemain du conseil de surveillance. La troisième, c'est un recours au tribunal administratif sur le fond contre cet arrêté de l'ARS. Donc là, on va dans le dur. Et la quatrième, c'est un autre recours au tribunal administratif en référé suspension afin d'obtenir très rapidement la suspension de cette décision et de nous donner un peu de délai. Parce que cette décision de l'ARS, il faut savoir qu'elle est arrivée fin juillet, début août. Elle est datée du 27 et elle est arrivée début août à l'hôpital. Donc c'est de notre point de vue pas pour rien que ça arrive en plein été. Et il faut savoir que depuis le départ de l'oncologie sur Mantes, les élus du conseil de surveillance sont allés régulièrement voir le directeur de l'ARS à son siège, l'ont fait venir sur le CHIM, ont fait venir également son représentant départemental. Donc ça fait 3 ans qu'on discute, 3 ans qu'on nous donne des garanties. Nous, on a alerté sur la place du CHIM au sein du GHT et on a toujours dit qu'on était prêt à travailler, mais qu'il fallait que ce travail se fasse dans la réciprocité. Donc des départs d'activité auraient dû aussi signifier l'arrivée de nouvelles activités. Donc ça fait 3 ans qu'on ne lâche pas l'ARS. Et là, je vais vous dire franchement, notre sentiment, c'est d'avoir été pris pour des imbéciles. Voilà. Donc on ne lâchera rien et on ira jusque au tribunal.